Le Japon a déclaré l'état d'urgence après une récente accélération du nombre de cas positifs au Covid-19 dans le pays. Toutefois, les mesures de confinement instaurées par le gouvernement ne sont pas aussi strictes qu'ailleurs dans le monde. Le Premier ministre Shinzo Abe a décrété l'état d'urgence allant jusqu'au 6 mai dans 7 préfectures du pays. Le dispositif de confinement ne sera pas identique à ceux observés à l'étranger. Notre objectif est de maîtriser la propagation du virus tout en maintenant les services socio-économiques essentiels, comme par exemple les transports en commun. Le gouvernement donne aux autorités régionales la possibilité d'insister auprès des habitants pour qu'ils restent chez eux, ainsi que de demander la fermeture temporaire de commerces non essentiels. Tout va dépendre de vos actions. Selon les experts, si nous faisons tous des efforts pour réduire nos contacts de 70 à 80%, le nombre d'infections se réduira au bout de 2 semaines. Depuis 15 jours maintenant, l'archipel connaît une propagation fulgurante de la pandémie, avec un total de 3900 cas d'infection pour 80 morts, faisant craindre une prochaine saturation des hôpitaux.